Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour nos énergies de début de semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Oui, je vous ai pas fait d'introduction parce que j'avais pas d'inspiration tout simplement. Et puis j'avais envie de passer un petit peu au cœur du sujet parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup beaucoup, dont d'ailleurs un coup de gueule très important dont je vais vous parler dans quelques minutes. Vous allez comprendre parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec moi et ça ne va absolument pas se passer comme ça. Cette personne, je préfère avertir, va avoir de très 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 gros problèmes, mais ça, j'en parlerai après. En attendant, j'espère que vous êtes tous en forme, que tout va bien de votre côté. Je sais que vous voulez avoir des nouvelles sur ce qui s'est passé. Eh bien, sachez que j'ai attrapé une bactérie de type salmonelle, donc ça m'a littéralement empoisonné le corps, ça m'a beaucoup épuisé. C'est pour ça que j'ai souffert d'une violente dysenterie, de fièvre, etc. Donc faites attention à vous parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'aliments qui sont contaminés, il y a les eaux qui sont également contaminées. Il y a des choses dans l'air, vous pouvez être porteur sain, etc. Donc pensez bien à vous laver les mains, à bien laver vos fruits, vos légumes, bien faire cuire vos viandes, etc. Évitez les eaux du robinet. Voilà. Alors je sais qu'il y a aussi des polémiques sur les eaux en bouteille. J'ai envie de dire de toute façon, ce qu'on boit, ce qu'on bouffe, hein, j'espère également que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Moi, je vous cache pas que cette semaine a été particulièrement difficile parce que non seulement j'avais été fatigué de la merdouille là que j'avais attrapé, mais on s'est tapé du 35 degrés toute la semaine et franchement ça finit de me vidanger vraiment. D'ailleurs 35 degrés pour un 20 mai, hein, voilà, on va rien dire, mais d'ailleurs grosse pensée à nos amis belges et allemands qui nous regardaient. Je suis de tout cœur avec vous sur ce qui est en train de se passer, à savoir ces gros orages, ces grosses tempêtes. Et dernièrement, alors ça m'a scié, cette tornade de puissance F4 qui s'est abattue sur l'Allemagne, mais du jamais vu, hein. On se fera une vidéo à ce sujet parce que j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui devient vraiment grave, mais tout le monde s'en fout parce que tout le monde a les yeux rivés sur la guerre, hein, on va pas dire les mots au cas où pour la censure. Pareil, on parle que de la pandémie, hein, depuis 2-3 ans, la réélection de Macron, bref, il n'y a pas que ça en fait, et depuis quelques temps il y a des choses très très graves qui sont en train de se passer dans le monde. Il y a des signes qui nous sont envoyés très fort et il suffit de décrypter ces signes. Faire l'autruche ne servira strictement à rien entre les éveils multiples de volcans, hein. Et là qu'on vienne pas me dire en commentaire oui mais les volcans depuis toujours ils se réveillent. Oui, je suis d'accord avec vous, pareil pour les catastrophes naturelles, etc. depuis que la Terre est Terre, il y a des catastrophes, mais là quand même il y a un enchaînement qui, on va dire, pas très naturel, dans le sens où les volcans, les éruptions se multiplient de façon assez inquiétante quand même. On a de la neige qui tombe dans les pays arides, là où il y a le désert. On se tape des 40 degrés au mois de mai. Des tornades d'une puissance dévastatrice, normalement qu'on voit qu'en Amérique, qui frappe l'Europe. Non, mais il y a un moment donné où la nature là nous envoie des signes très forts pour nous faire comprendre qu'on est à la veille d'un changement très important, que le climat c'est officiel, c'est terminé, il s'est déréglé. Donc là voilà, il va falloir agir, c'est trop tard j'ai envie de dire pour agir, hein, malheureusement. Maintenant il va falloir juste payer l'addition de toutes les conneries qu'on fait depuis des décennies, hein, voilà. L'homme il consomme, il use, il abuse, ben, il y a un moment donné il va falloir payer la facture, et je pense que la facture vient d'arriver, voilà. Bon, donc on se fera une guidance, un truc, soit je sais pas, prédiction mondiale, événement à venir, événement plutôt dirigé sur les catastrophes naturelles, je sais pas, on se fera un truc comme ça, hein, pour voir un petit peu ce qui pourrait sortir et voir si on doit se préparer ou non à certaines catastrophes, hein, parce que bon, moi je cache pas quand même que la méga tornade là en Allemagne, ça m'a refroidi, hein, parce que l'Allemagne c'est chez nous, hein, plus l'Allemagne de l'Ouest quand même, donc plutôt de notre côté, hein, donc c'est chez nous très clairement, hein, donc si ça peut frapper l'Allemagne, ça peut frapper n'importe quel pays, n'importe quelle ville, pardon, de France, on est à l'abri absolument nulle part, hein, très clairement. Bon, ceci étant dit, voilà, on boucle le truc, on en parlera mieux dans une vidéo qui sera dédiée à ça.
Alors, mon coup de gueule maintenant. Là, on va parler sérieusement parce que j'ai eu la preuve de quelqu'un qui espionne ma chaîne et je voudrais m'adresser à cette personne-là. Je me marre parce que cette personne va avoir vraiment de très très lourds problèmes. Vraiment, j'exagère pas. C'est-à-dire que ma maman a intercepté quelque chose qui était sur le pare-brise de la voiture de Cédric. C'est quelque chose, donc elle l'a lu et là je viens d'en prendre connaissance. Donc autant vous dire que ça va pas passer parce que personne ne sait où j'habite, c'est-à-dire que la liste des personnes qui savent où j'habite, ça tient sur les doigts d'une main à peu près. Donc j'aurais vite fait le tour de savoir exactement de qui il s'agit. En plus le truc c'est bourré de fautes d'orthographe. Franchement, je voudrais m'adresser à cette personne, retourne à l'école. Franchement, au lieu de faire chier les gens, va d'abord retourner à l'école, apprends le français, apprends à écrire français, apprends la grammaire. Mère et la syntaxe ainsi que l'orthographe avant de faire quoi que ce soit, d'accord? Et puis éventuellement, je sais pas, va t'acheter une vie au lieu de faire chier les gens, hein. Mais ça, tu vas vite déchanter. Quand je vais te tomber dessus, tu vas vite déchanter parce que j'ai fait le nécessaire, hein. Il y a un dépôt de plainte que j'ai dû faire. Donc je vous explique le délire. Il y avait sur le pare-brise de Cédric, donc ça c'est visé uniquement pour me faire chier et pour tenter de casser mon couple et mettre la zizanie dans ma vie. Ça a été bien tenté, ça a été loupé et c'est pas la première fois que j'ai eu cette attaque là, puisque rappelez-vous, il y a un an, hein, l'histoire que je trompais Cédric avec le fleuriste, voilà, au passage un fleuriste qui était moche comme un pou, donc j'ai envie de dire quand même, je sais que je suis pas Brad Pitt, mais je pense que je peux me taper des gars qui sont un peu mieux, hein, que ce qu'on choisit quand même, hein. Essayer d'avoir de meilleurs goûts, hein, voilà. C'est pas que je suis spécialement exigeant sur le physique, mais je regarde quand même un petit peu, hein. Faut que le gars il me plaise un minimum. Donc s'il vous plaît, voilà. Essayez de me choisir des gars qui sont pas trop mal quand même, voilà. Bon. Donc ce matin sur pare-brise de Cédric, il y avait une rose rouge ainsi qu'une lettre que je vais vous lire parce que je n'ai absolument rien à cacher. J'ai ma conscience tranquille. Je suis fidèle à Cédric. Je ne l'ai jamais trompé, je suis quelqu'un d'honnête avec lui, je l'aime, voilà, j'ai prévu, j'espère en tout cas, hein, tout se passe bien, de faire ma vie avec lui, non, j'ai pas, en plus Cédric me donne absolument tout, mais quand je dis absolument tout, c'est absolument tout, c'est-à-dire que des Cédric, il n'y en a pas deux comme lui sur Terre, très clairement, donc je vois pas pourquoi j'irais prendre le risque d'aller le tromper, non, il y a un moment donné là aussi où il faut réfléchir. Donc je vais vous lire la fameuse lettre qu'il le mérite, hein, parce que en fait ce qui me dérange c'est ça, c'est que il y a une photo de moi qui a été découpée, agrafée à la truc, et cette photo là elle a été prise sur une de mes vidéos, donc très clairement c'est quelqu'un qui a accès à ma chaîne ou qui a vu mes, ou qui regarde peut-être mes vidéos, qui m'espionne ou quoi que ce soit. Donc en plus c'est bien parce que du coup j'ai une écriture, donc ça sera facile à faire analyser, hein, voilà. Et puis comme je sais à peu près qui ça peut être, hein, j'ai des soupçons sur certaines personnes, donc j'en ferai également vite le tour et je souhaite bon courage parce que là, ça, ce que je m'apprête à vous lire, c'est très très grave, c'est-à-dire que ça viole ma vie privée, c'est de la diffamation et de la calomnie gratuite, là ça va aller très très loin, donc la personne qui fait ça, elle va manger cher, très cher, parce que ça je ne laisserai pas passer, très clairement. Donc je vous lis la lettre, alors asseyez-vous, hein, prenez un petit thé parce que ça vaut le détour. Mon cher Jonathan, je passerai les fautes d'orthographe, hein, parce que ça m'est pourri. Mon cher Jonathan, je t'écris ce petit message pour te faire voir que je tiens à toi. J'adore sentir tes lèvres contre les miennes. J'ai apprécié tous ces moments passés avec toi dans tes bras et je souhaite que ça continue. J'espère que notre relation amoureuse... Oui, je vous lis tel que c'est, hein, je vous montrerai les fautes d'orthographe. Hein. J'espère que notre relation amoureuse et sexuelle continuera et qu'un jour on sera tous les deux. Je t'offre cette rose en guide, en guide d'amour, et je sais que tu adores les rosiers. Appelle-moi quand tu le souhaites pour te faire un câlin comme tu les aimes. Je t'aime, donc là il y a un gros cœur, je t'aime. Bisous mon chéri, signé Alex. J'adore la photo que tu m'as envoyée. Alors, j'adore la photo que tu m'as envoyée. Non mais sérieux, la personne d'où j'ai envoyé cette photo, ça c'est une vidéo. C'est une de mes vidéos. Et je crois même... Je crois même que c'est la dernière vidéo que j'ai faite sur YouTube. Hein.
je reconnais le t-shirt, je vérifierai, mais ça je crois que c'est la dernière vidéo que j'ai faite. Donc à aucun moment j'ai envoyé de photo. En plus on voit que ça a été imprimé, s'il vous plaît, j'adore la photo que tu m'as envoyée, on voit que ça a été imprimé, j'adore. Je sais pas à qui t'a envoyé une photo, j'enverrai une vraie photo sous format glacé, hein. Non, je sais pas, c'est... Voilà. Là aussi c'est logique. Et puis waouh, super la photo quoi, je ferme les yeux, t'as l'impression que j'en ai strictement rien à foutre. Ça, c'est une personne qui ne me connaît pas, hein, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais des photos qui sont bien différentes, hein. Je sais quand même me mettre en valeur et tout, faire des selfies sympas. Là, on voit très clairement que je suis pas apprêté, que je ressemble à rien, et c'est surtout une image qui est tirée d'une de mes vidéos. Alors, juste quand même pour vous faire rêver, hein, regardez, donc je vous montre, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, faites une pause sur la vidéo et regardez les fautes d'orthographe. C'est à mourir de rire. Je t'écris ce petit message pour te faire voir V-O-I-R-E, hein, bien sûr, que je tiens à toi. Il y a pas de, la ponctuation n'en parle pas, hein. J'adore sentir tes lèvres au singulier, même pas au pluriel, contre les miennes, hein, pareil. J'ai apprécié IER, bien sûr, j'ai apprécié infinitif, évidemment. Tous ces moments passent, c'est même pas et avec un S, rien du tout, juste passe, avec toi dans tes bras, et je souhaite que ça continue. J'espérais, on a plein d'accents là, j'espérais que notre relation amoureuse, hein, même pas amoureuse, amoureux et sexuelle continuera, et qu'un jour on sera tous les deux. Je t'offre cette rose en guide, non, on dit en guise, hein, on dit en guise, on dit pas en guide, d'amour, et je sais, c'est, alors le c'est, mention spéciale, c'est même pas apostrophe, C-E-S-T. Voilà. Je sais que tu adorais, bien sûr, hein, adorais, avec un accent, les rosiers, sans S, évidemment. Appelle-moi quand tu le souhaites, sans S, là aussi, pourquoi faire, hein, pourquoi? Pour te faire un câlin comme tu les aimes. D'accord, ok, bisous mon chéri, pas de problème. Ok, j'adore les rosiers, pas du tout. Alors là en plus, loupé, parce que les roses ne sont absolument pas mes fleurs préférées. Donc ça prouve encore une fois que cette personne ne me connaît absolument pas, parce que les rosiers ne sont pas du tout mes fleurs préférées. Donc ça c'est loupé. Voilà, donc tout ça pour dire que moi, ça, ce torchon, je vais le garder précieusement, parce que c'est une preuve. Mais c'est du bonheur, parce que ce que la personne n'a pas pensé, donc ça, c'est une personne qui s'est déplacée en personne pour le mettre sur le pare-brise de Cédric. Donc très clairement, on a cherché à ce que ce soit Cédric qui soit touché, hein, et pas moi. Donc ça me fait délirer. Parce que là aussi, si la personne me connaissait vraiment, elle savait que je n'ai pas de voiture. Hein, voilà, le fameux Alex. Bah alors mon chéri, tu sais bien que j'ai pas de voiture. Pourquoi tu déposes cette rose là et cette lettre d'amour sur le pare-brise d'une voiture qui ne m'appartient pas? C'est risqué, voyons mon chéri. Pas très malin tout ça. Et donc déjà ça me fait délirer. Donc ça prouve très clairement que c'est Cédric qui est visé, et que je n'intercepterai pas ceci. Sauf que loupé, le destin a choisi que je l'intercepte, et ça me fait une preuve, mais absolument magistrale, à déposer devant les forces de l'ordre et à saisir qui de droit, parce que là très clairement c'est une personne qui cherche à mettre la zizanie, et ça, elle va le payer très cher, mais alors vraiment très très cher. Voilà, donc ça c'était mon petit coup de gueule, et je tenais à vous le partager avec vous pour que ce soit public d'une part sur la chaîne, parce que je n'ai strictement rien à me reprocher, absolument rien du tout, et puis en plus ça me fait, mais alors doucement rire, parce que rien que déjà les fautes d'orthographe, un plaisir à lire, franchement un plaisir à lire, c'est un régal, et puis je me délecte déjà de la personne quand je vais découvrir qui c'est, je me délecte de la personne quand je vais la voir tomber, quand les dépôts de plainte vont s'accumuler contre elle, que j'aurai toutes les preuves en main et tout, je me délecte par avance, vraiment, voilà. Allez, donc maintenant, je boucle ce chapitre-là et on va partir sur nos énergies de début de semaine. Alors j'ai choisi les photos karmiques. Les photos karmiques, parce que comme cet oracle, vous le savez, hein, c'est mon bébé aussi, et comme il est branché sur les éléments, et comme en ce moment il se passe pas mal de choses niveau nature, j'avais envie de l'utiliser. Donc on va l'utiliser. On va utiliser aussi l'oracle de Alice, l'oracle des merveilles. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire un rond de cristal aussi pour une petite prédiction. Et est-ce que... J'hésite entre le... soit le fantabuleux. Ça fait un moment qu'on l'a pas utilisé, le fantabuleux.
Hein, on va lui faire honneur. Allez, on va utiliser le fantabuleux. Donc, on va utiliser le fantabuleux pour les énergies principales. Allez, c'est parti. Bon, sinon, à part ça, comment ça va, vous, de votre côté? Hein, c'est bien, hein? Vous avez vu, je vous laisse quelques jours, je reviens, il se passe encore plein de trucs dans ma vie. Voilà. J'en rigole, mais ça me saoule un peu, hein. Franchement, ça me saoule un peu, vraiment. C'est-à-dire que je reste chez moi, j'emmerde personne, je fais flic personne, et on trouve le moyen de venir m'emmerder, sans déconner. Les gens qui font ça, vous avez pas de vie, vos vies sont tellement pourries, elles sont tellement insipides, tellement tristes, que vous vouez un vrai culte à ma vénération pour me faire souffrir et tenter des choses comme ça aussi désespérées. C'est d'un navrant, sans déconner. Je vous plains, en fait, hein. Je vous plains, hein. Ceux qui font ça, franchement... Moi, je trouve que pour ceux qui font ça, on devrait rétablir la peine de mort. Hein, on devrait ressortir la guillotine sur la place publique comme ça. Non, mais sérieux, c'est bon, quoi. Ça me fait rire, mais j'en ai ras-le-bol, quoi. Il y a un moment donné où c'est bon, merde. Je déménage pour être tranquille, pour qu'on soit tranquille avec Cédric, pour que plus personne nous... Et non, on trouve encore le moyen. Donc ça, là, cette fois-ci, ça va pas passer. Ça va pas passer, cette fois. Allez, c'est parti, je me concentre sur les énergies de début de semaine. Et on y va. Alors. Ah, je viens d'en tirer deux. Je viens d'en tirer deux. De toute façon, j'avais prévu de la prendre, celle en dessous. Alors, on a le destrier. Le destrier ici nous parle de nouvel avenir. Ben moi c'est bon, hein, j'ai eu mon enveloppe, c'est bon, la nouvelle elle est déjà venue, hein, j'en ai plus besoin. Donc le destrier nous parle ici de nouvel avenir, quelque chose qui arrive. Le destrier peut aussi nous parler d'une forme de liberté, le fait de s'aventurer vers des choses, vers des terres inconnues, vers des choses nouvelles. Et effectivement, on arrive, et ça je vous en avais parlé, on a eu la lune là qui est arrivée, on a l'alignement des planètes, on a plusieurs choses qui sont en train de se mettre en place, donc effectivement il y a un cycle ici nouveau qui arrive, un cycle quand même qui est assez violent, parce que je trouve que cette semaine, je vous en avais parlé, je vous avais demandé vos avis en commentaire, mais je trouve que cette semaine, ou même là depuis quelques jours, les énergies sont particulièrement fortes, je trouve. Mais j'ai aussi cette sensation là que les énergies vont un petit peu se calmer, qu'on va revenir à des choses un petit peu plus normales, et ça va être le moment de reprendre certaines choses. C'est-à-dire que pour l'instant, il fallait un petit peu mettre les choses en stand-by, dans le sens où c'était trop fort. C'est-à-dire, voilà, on plante juste les graines, mais on n'en fait pas plus. On évite de se lancer trop vite, ou voilà, pas dans la fougue, vous voyez, hein, c'est ce que le destrier peut évoquer ici, l'aspect fougueux, l'aspect, voilà, non, il faut un petit peu calmer ses ardeurs, et qui, comme le proverbe dirait, hein, qui ménage sa monture va loin, bah là, c'est exactement le même principe, donc essayez de faire attention par rapport à ça. Ça peut, comme je l'ai dit, nous parler de nouvelles, hein, puisque le destrier, c'est un peu comme le cavalier dans le Normand, c'est celui qui apporte les nouvelles, qui nous annonce de nouvelles choses, donc pour ce début de semaine, pour y recevoir des nouvelles, soit vous allez recevoir des nouvelles. Donc ça peut être sous forme d'appel, de mail, de SMS, de lettres, tout ce que vous voulez. Pourquoi pas une réponse à un entretien, une réponse à quelque chose, voilà, ça peut être ça. Mais ça peut être, puisque tout de suite derrière, on a la carte de la création, la carte des outils, qui est en plus la carte numéro 1 dans le jeu. Donc ça pourrait nous parler ici d'une nouvelle énergie créatrice qui pourrait émerger. C'est-à-dire que peut-être que vous allez commencer cette semaine avec l'envie de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses, ou peut-être que pour ce début de semaine, vous allez peut-être démarrer un nouveau cycle, ça peut être un nouveau travail, peut-être que vous allez démarrer une formation, peut-être que vous allez commencer une nouvelle relation. Mais ici, il y a un aspect de quelque chose de nouveau qui va émerger, ça pourrait être un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle envie, quelque chose de nouveau, une résurgence d'une énergie créatrice, hein. Peut-être que vous allez reprendre, je sais pas moi, la peinture, quelque chose que vous aimiez particulièrement, et bien vous allez reprendre cette passion. Ça pourrait nous parler de quelque chose de... Je sais pas pourquoi, j'ai ce geste en moi, vous voyez, quelque chose qui revient, quelque chose qui, comme ça, voilà, qui revient, qui se remanifeste, et qui va vous inspirer, un peu comme une muse. Vous allez... L'inspiration, je crois que c'est le terme. L'inspiration. On va regarder... Oh, la monnaie, des pépettes, de l'argent, ça c'est bon, ça, du flouze. On nous parle ici, du coup, avec le destrier, ça pourrait nous parler de rentrée d'argent. Ça, c'est positif.
Ça pourrait parler de dépenses aussi, c'est vrai. Parce que le cheval, il peut apporter, mais il peut aussi partir de l'autre côté. Donc, il peut faire transiter les choses. Non, mais je le ressens pas dans les dépenses. Là, je le ressens plutôt dans une arrivée d'argent, ou plutôt un potentiel d'argent. C'est-à-dire que c'est peut-être pas de l'argent tout de suite que vous allez avoir, mais peut-être que dans les idées ou dans les projets que vous allez mettre en place, il peut y avoir de l'argent à se faire. Il y a une notion ici d'argent. Il y a quelque chose à se faire. La foudre. Ah, on a la carte de la Ouija. Alors, la Ouija nous dit un oui. On a la réponse oui. Donc, si vous aviez une question en tête, ici, il y a la réponse oui. Les augures, les esprits vous disent oui. La carte de la foudre, quant à elle, ça peut parler d'accident, mais pas forcément. Je vais pas vous faire peur, d'accord? La carte de la foudre, elle peut évoquer les accidents, mais elle évoque aussi quelque chose qui est indomptable, incontrôlable, imprévisible, quelque chose qui arrive soudainement, qu'on ne peut pas prévoir. Donc ça peut aussi signifier un événement positif qu'on ne peut pas prévoir, hein? C'est-à-dire que les mauvaises nouvelles, oui, elles se manifestent. Bah, regardez, hein, moi la preuve, voilà. Vous ne cherchez pas, mais elles viennent quand même à vous toutes seules. Là, puis pour le coup à domicile elles viennent. Ça peut parler de choses négatives, mais ça peut parler de choses positives. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous attendez une réponse importante par rapport, je sais pas moi, un travail ou quelque chose, voilà, effectivement, vous ne vous attendez peut-être pas à la réponse, surtout si ça fait un petit moment que vous attendez. Imaginons, moi je sais pas, que vous avez passé un entretien d'embauche il y a un ou deux mois, et qu'on vous avait dit on vous rappellera, vous vous attendiez l'appel, et puis on vous a jamais appelé, donc vous êtes dit bon ben c'est mort, c'est cuit, maintenant vous passez à autre chose. Et puis là on vous rappelle, ah bonjour monsieur madame, vous vous souvenez de, et là vous dites ah j'avais oublié ça, hein. Donc ça peut être, voilà, dans ce style-là, quelque chose, une bonne nouvelle qui peut se manifester. Mais ici pour moi j'ai la sensation qu'il y a quelque chose comme si vous étiez peut-être bloqué dans une situation à l'heure actuelle, et ici on vous dit que il y a quelque chose, vous pouvez déployer quelque chose, une idée, un projet, quelque chose que vous pouvez exploiter et qui peut rapporter. C'est-à-dire que si vous manquez d'argent à l'heure actuelle, réfléchissez bien, faites appel un petit peu à votre génie créateur, et il y a quelque chose que vous pouvez exploiter qui pourrait vous rapporter de l'argent, soit pour vous aider à payer une note, soit pour vous aider à financer un projet, soit tout simplement parce que vous avez besoin de trésorerie. Mais ici, il y a une notion de quelque chose à exploiter, une idée à exploiter, quelque chose qui, voilà, vous l'avez, c'est juste à vous de prendre le courage de le faire, d'y aller, de l'exploiter pour en récolter quelque chose. Mais ici, il y a un aspect de quelque chose à exploiter qui peut être juteux. Voilà. Allez, je vais prendre l'oracle d'Alice pour venir compléter ça. C'est parti. On a la potion qui nous parle d'une conséquence gênante. Alors, ça peut nous parler de quelque chose qui croît, hein, parce que la potion, dans le Pays des Merveilles, quand vous buvez la potion, elle vous fait rapetir. Ah non, qui croit, pas du tout, c'est l'inverse, c'est le gigant cake qui fait grandir. La potion fait rapetisser. Ça peut nous parler ici de quelque chose qui décroît. Ça pourrait nous parler. Alors, ça peut être positif comme négatif. Je prends un exemple très concret. Imaginons qu'on parle de la maladie qui décroît, et ben effectivement, c'est positif, parce que si une maladie décroît, ça veut dire que c'est la santé qui prend la place. Mais si on parle de la santé qui décroît, c'est-à-dire que c'est la maladie qui augmente, vous voyez? Donc la potion, on va voir avec quoi elle est couplée. Alors, la célérité déterminée avec le valet de cœur. Ok. Donc là, on nous parle, il y a encore cette notion ici de fougue. Parce que je sais pas pourquoi, mais le valet de cœur, je le vois bien avec le destrier, c'est-à-dire que le lapin blanc, hein, dans Alice, il est toujours en train de courir, il s'arrête jamais, il se pose jamais, il est toujours en retard, il veut toujours aller vite, 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 vite faire les choses, et puis il se soucie pas forcément des conséquences, hein, c'est comme dans le dessin animé quand il cherche à foutre le feu à sa maison, il se pose pas la question, enfin il réfléchit pas à ce qu'il est en train de faire, hein, il voit juste un monstre dans sa maison, il veut brûler la maison et puis vite partir au boulot, alors que non, il prend pas le temps de réfléchir à ce qu'il est en train de faire, hein, que ici il y a une conséquence quand même importante, le fait de brûler sa baraque, il n'aura plus rien derrière. Donc ici, c'est un peu le même principe. Ne vous dépêchez pas, prenez le temps, au contraire. Hein. S'il y a quelque chose pour ce début de semaine où on vous impose de vous précipiter, où on vous dit de vous dépêcher, non, prenez le temps, au contraire. C'est-à-dire que ne laissez pas les gens vous pousser en disant vite, 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 il me faut une réponse, fais-le, fais-le, fais-le. Non, non, si c'est quelque chose d'important, prenez le temps, ne vous dépêchez pas à le faire. Imaginons que vous ayez commencé une nouvelle relation et que, eh bien, que
l'autre aille trop vite. Eh bien, ne tombez pas dans ce tourbillon, mais au contraire, dites-lui gentiment, doucement, hein, on vient de se rencontrer, on va d'abord mettre les choses en place, doucement, voilà, piano, piano. Hein. Bah là, c'est le même principe. Si on attend trop de vous, si on exige de vous une réponse, quelque chose que vous fassiez immédiatement, non, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que du coup, vous allez le faire dans la précipitation, vous n'allez pas forcément le faire aussi avec le cœur, vous n'allez pas le faire avec vos compétences, ou en tout cas le plein, hein, vous ne serez pas à plein de votre potentiel, donc par conséquent vous ne pourrez pas faire quelque chose de façon correcte ou bien faite, ça risque d'être bâclé, vous risquez également de le faire sans y avoir réfléchi, sans avoir réfléchi aux conséquences, hein, c'est-à-dire que là on est bien sur la potion, c'est-à-dire que vous voyez une étiquette où il y a écrit bois-moi, ben, vous avez deux possibilités, vous avez les gens qui vont bêtement faire ce qui est écrit sur l'étiquette, au risque de s'empoisonner, de voilà. Et puis vous avez les autres qui vont prendre le temps de réfléchir, est-ce que je vais vraiment boire ce truc dont j'ignore le contenu? Est-ce que je ferais pas mieux d'abord de l'analyser, etc. Est-ce que je ferais pas mieux de regarder d'abord les ingrédients, s'il y en a, hein, voilà. Et ben là, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous allez avoir un peu comme un choix, peut-être que vous allez être soumis à un choix pour ce début de semaine, et ce choix, soit il va falloir que vous agissiez promptement dans la précipitation, soit vous prenez le temps, au contraire, de la réflexion avant d'agir. On a la Vorpale qui nous parle d'un jouet macabre. Alors là, attention, ça peut nous dire, faites attention avec quoi vous jouez, parce que vous pourriez jouer avec des outils dangereux, avec quelque chose qui pourrait représenter une menace. Et effectivement, ça colle bien aussi avec la Ouija. Hein, la Ouija, j'ai envie de dire, il faut arrêter de la diaboliser, cette pauvre Ouija. Ah c'est comme une voiture ne provoque pas d'accident, c'est le conducteur qui provoque un accident. Ben là, c'est le même principe, un couteau ne tue personne, ça dépend dans quelle main il est, hein, voilà. Mais l'assassin, ce n'est pas le couteau, c'est la personne qui le tient. Le démon qui sera invoqué, c'est pas à cause de la Ouija, c'est à cause de la personne qui aura manipulé la Ouija. Ben là, c'est le même principe. On nous parle d'une relation un petit peu ici de cause à effet. Mais le couteau pourrait nous parler aussi du fait de se défendre, c'est-à-dire ne laissez pas les choses se faire, ne laissez pas les choses passées et soyez plutôt dans une, comment on pourrait dire, dans une protection offensive. C'est-à-dire, arrêtez d'acquiescer les choses, arrêtez de dire oui à tout et rappelez-vous, c'était le thème de la dernière vidéo que je vous disais, apprenez à dire non. Et ben là, ça rejoint un peu le même principe. C'est-à-dire que si on arrive effectivement à la fin d'un cycle, il est peut-être temps de couper les choses. Hein. Prenez, saisissez-vous de la Vorpale et coupez les choses qui vous retiennent. Coupez les liens, coupez les relations toxiques, couper ce qui ne vous va plus, mais ayez cette décision de trancher, hein, quelque chose qui tranche une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes amené à faire un choix, vous allez, je pense, et même certainement faire un choix, eh bien, soyez tranchant dans le sens que la décision que vous prendrez, prenez le temps d'y réfléchir pour prendre la meilleure décision qui soit pour vous, d'accord, hein, parce que la décision que vous prendrez, ça ne veut pas dire que c'est LA bonne décision, mais c'est une décision qui vous paraît juste pour vous. Ce que pensent les autres, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ce soit en accord et en justesse avec vous et vous seul. Ok ? Et on a le cupcake, parfait, l'ascension gourmande. Et ben ici, on nous parle bien, pour moi, j'ai vraiment la sensation de quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui vous empêche de grandir, quelque chose qui vous empêche de vous élever. Et le fait de prendre ce choix, le fait de prendre cette décision de trancher, ça va vous permettre de reprendre votre ascension, ça va vous permettre de pouvoir vous relever, vous révéler et grandir également. Donc effectivement, on est bien dans quelque chose qui est toxique, et c'est soit à cause de cette chose, soit à cause de ces personnes ou de cette situation, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer, il y a quelque chose qui vous empêche de grandir, il y a quelque chose qui vous empêche de vous révéler et il faut que vous tranchiez avec ça et une fois que vous serez débarrassé de ça, eh bien vous allez pouvoir reprendre cette ascension. Allez, on va continuer avec nos photos karmiques et pour la première, on a « À toi seul appartient le droit d'être qui tu veux ». Et ben voilà, ça c'est une jolie carte. Effectivement, vous seul avez le pouvoir de décider qui vous voulez être. Ne laissez personne décider à votre place. Personne n'a à vous dire oui, soit ceci, soit cela, fais ceci, fais cela, assis, couché, debout, machin. Non, personne n'a le droit de vous faire chanter
Petit message subliminal. Personne n'a le droit de gérer votre vie. Personne n'a le droit de détruire votre vie ou de tenter de la détruire. Personne n'a le droit. C'est à vous et vous seul que revient la décision de choisir qui vous voulez être et ce que vous voulez faire pour votre vie. Hein, ça, c'est important. Et ceux qui ne sont pas capables de le comprendre, vous les dégagez. Ceux qui ne sont pas aptes à comprendre que c'est votre vie et que c'est vous qui la menez comme vous voulez et que ça ne regarde personne d'autre, eh bien, vous dégagez ces personnes. On a la fleur de vie, la carte la plus positive du jeu. Et bien là, on nous parle d'énergie positive, on nous parle d'une réponse oui, donc ça vient corroborer ce que la Ouija nous disait. On a une réponse ici qui est positive, on a une réminiscence d'énergie qui va revenir comme ça, même j'ai envie de dire plus qu'une réminiscence, même une résurgence, une résurrection d'énergie qui va revenir. Donc si vous étiez dans un peu dans le creux de la vague, j'ai l'impression que voilà, vous allez être comme ça, repropulsé pour rebondir un petit peu, une sorte de tremplin. L'énergie va revenir à l'intérieur de vous, dans votre vie, et il y a des choses qui vont pouvoir de nouveau se remettre en place. Rien ne meurt jamais, car tout finit par renaître. Regardez cette magnifique carte, encore une fois, avec ce sakura en fleurs. On nous parle de renaissance, on nous parle de printemps. Donc effectivement, il est temps aujourd'hui pour vous de tirer un enseignement de ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez traversé. Si vous êtes un peu en ce moment dans une, comment on pourrait dire, dans une sorte de mort spirituelle, dans une sorte de pas une mort physique, mais une mort émotionnelle, une mort sentimentale, c'est-à-dire qu'en ce moment peut-être vous vous sentez comme vide, vous trouvez pas le but dans votre vie, voilà, vous posez beaucoup de questions, etc. Et vous avez l'impression, voilà, d'évoluer dans une sorte de no man's land émotionnel, énergétique, etc. Et bien là, on vous dit que rien ne meurt jamais et qu'au contraire, vous allez connaître un cycle de renaissance. Et c'est grâce à ce cycle de renaissance que vous allez aussi pouvoir puiser de nouvelles énergies, comme la nature. La nature, quand elle revient au printemps, eh bien, elle puise de nouvelles énergies, elle fait de nouvelles fleurs, elle fait de nouvelles choses qui vont devenir de futurs fruits, etc., etc., et apporter des récoltes abondantes. Eh bien, vous, c'est le même principe. Rentrez dans ce processus de printemps. Ne soyez plus dans cette phase d'hiver. Arrêtez de porter votre deuil. Arrêtez de ressasser certaines choses. Mais au contraire, pensez à avancer et à évoluer davantage. Et pour l'autre carte, le dos, on a explore l'inconnu sans regret ni remords avec le trou noir. Et ben là aussi, je trouve que ça, en fait, tout colle tellement bien, quoi. Puisque le trou noir nous parle d'explorer l'inconnu sans regret ni remords. Autrement dit, allez droit devant. Même si vous ne savez pas ce que l'avenir a pour vous, même si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, même si vous ne savez pas, voilà, même si vous ne connaissez rien sur votre avenir, n'en ayez pas peur et avancez. Au pire, j'ai envie de vous dire, avec tout ce que vous avez traversé, avec tout ce que vous avez connu, laissons-nous guider par la vie. Peut-être que dans ce trou noir, hein, le trou noir, il fait peur, mais va savoir, peut-être que quand on passera dans ce trou noir, on arrivera peut-être dans un monde meilleur, il y a peut-être d'autres choses qui nous attendent, d'accord? Donc c'est pas parce qu'il y a des épreuves qui font peur devant nous, et l'avenir fait peur, parce que là, très clairement, avec tout ce qu'on est en train de vivre, toutes les conditions générales de la Terre, tout ce climat très anxiogène, très stressant, où l'avenir est devenu complètement incertain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, trouver du travail, c'est compliqué, de l'argent, plus personne n'en a, la crise économique est à nos portes, enfin c'est même pas qu'elle est à nos portes, on est déjà dans la crise économique, mais le pire est encore à venir, hein. Les guerres qui se succèdent, le climat qui se dérègle complètement, l'avenir fait peur, hein. Honnêtement, je vous le cache pas, je vous le dis même moi, mais les 10-20 prochaines années, j'avoue qu'elles font flipper, l'avenir devient vraiment incertain, et on se dirige droit vers un trou noir, on ne sait pas où est-ce qu'on va, donc j'ai envie de vous dire, ça sert à quoi de s'inquiéter davantage? À rien du tout. Donc, je vous dis pas d'avancer sereinement non plus, mais avançons, tout simplement. Avançons avec confiance en se disant que la vie a un plan pour nous, que voilà, si on est juste, si on est droit, si on peut se regarder dans un miroir, pourquoi est-ce qu'on serait puni, hein? Alors certes, je sais ce que vous dites, que c'est souvent les gentils qui ramassent et que les méchants, eux, gagnent toujours, hein? J'aurais des milliards d'exemples à vous dire, bien évidemment, et je suis d'accord avec vous sur ça. Je sais que la vie peut se montrer injuste pour certaines choses, mais c'est pas tellement la vie qui se montre injuste. Je prends un exemple très concret. Alors attention, je lance pas une polémique ni un débat, qu'on soit bien d'accord, hein. Mais simplement, il y a quelque chose là avec laquelle j'avais pas été très d'accord, voire pas du tout d'accord, ma maman non plus. C'est-à-dire que voilà, l'Allemagne a fourni beaucoup d'armes, beaucoup de choses pour
un certain pays, vous savez lequel. Et franchement, j'ai pas apprécié cette démarche-là. Pourquoi? Parce que très clairement, l'Allemagne là cherchait à alimenter hein, la guerre au lieu d'essayer de calmer les choses, de trouver des solutions diplomatiques, d'essayer surtout l'Allemagne. Ah, avec son passé. Voilà, on a quand même un passé dont on voudrait bien se passer, c'est le cas de le dire. Et là, le fait d'avoir fourni tout ça, tout ce matériel qui va alimenter encore plus les conflits. Et quand je vois ce qui vient de se produire, alors malheureusement c'est le peuple encore qui a ramassé, comme toujours, c'est toujours des innocents qui ramassent, mais quand j'ai vu cette tornade F4 qui s'est abattue, qui a tout détruit sur son passage, je me suis dit, karma. J'ai pas dit chais, parce que ça me fait de la peine pour ces personnes, hein. C'est ça le problème, c'est que c'est les gros dirigeants qui nous foutent dans la merde, et c'est nous, le peuple, les innocents, c'est nous qui ramassons, comme toujours, comme tout le temps. Mais là, quand j'ai vu cette immense tornade, je me suis dit, bah, c'est le karma. On vous montre, là, que vous avez fait une bourde, et la vie vous montre quelque chose. Il va falloir tirer un enseignement. Surtout que, faites exprès, tout l'équipement qu'ils ont donné, il y en a pour des millions d'euros. Et là, la tornade, elle vient de passer, et elle vient de faire pour des millions d'euros de dégâts. Donc, ça m'a fait ironiquement sourire en me disant, bah, voyez, vous venez de gaspiller des millions, alors que ces millions-là, vous en auriez maintenant besoin pour vos innocents, pour votre propre pays. Voyez ce que je veux dire? Donc, on en revient encore à cette idée de ne vous mêlez pas de la vie des autres, alors que chez vous, il se passe des choses qui peuvent être tout aussi graves, voire pires, hein, alors à une certaine échelle, bien évidemment. Mais voilà, j'ai pris cet exemple, c'était juste pour vous illustrer la situation, pour vous montrer que c'est toujours, voilà, c'est vrai, c'est toujours les, entre guillemets, les méchants, les puissants, qui, eux, font les choses, et c'est nous, le peuple, les innocents, qui ramassons derrière. Voilà, je sais que c'est pas juste, je sais, malheureusement, c'est comme ça. Mais je veux aussi croire, c'est difficile d'y croire, mais je veux aussi croire que un jour, il y aura le karma qui va s'abattre sur ces gens-là et que le karma sera proportionnel à leurs agissements, hein, et qu'ils payeront à la même hauteur que ce qu'ils auront fait, je l'espère. C'est d'ailleurs le but de ma chaîne, hein. Je veux dire, si je crois pas à ça, je peux arrêter ma chaîne, c'est pas la peine, hein. Moi, je crois en ça. Donc, je veux croire un jour que cette putain de roue va finir par tourner quand même. Donc vous, c'est le même principe, essayez aussi, même si vous êtes blasé, même si, voilà, si, essayez de croire en cette fameuse roue qui va tourner, essayez de croire qu'il y a quelque chose qui nous attend devant, même si ça fait très peur, essayez d'avancer en confiance. Voilà mes chers amis, ceci met un terme à cette vidéo un petit peu longue, mais bon, comme ça fait quelques jours que j'ai pas travaillé, c'est pas grave. Allez, sur ce, moi, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à me retrouver ce soir sur Twitch. Hein, mon chéri Alex, n'hésite pas à venir faire des photos de moi sur Twitch. Hein, ce soir, en plus, il y aura mon mari qui sera présent, ainsi que ma maman. Comme ça, on pourra régler nos comptes directement ensemble, en direct, hein, sur Twitch. Voilà. Je t'attends, mon chéri d'amour. Hein, on se retrouve ce soir à 20h sur Twitch. Voilà. Bon. Vaut mieux en rire, hein. Il y a des trucs, vaut mieux en rire, hein, quand même. Bon, bref. Allez, prenez bien soin de vous, les amis. Passez un très bon début de semaine. Je vous embrasse fort, mais en plus, c'était pas une blague. Si vous voulez me voir ce soir en live sur Twitch à 20h, on fait la suite et fin de Unlock avec le scénario pandémique. Soyez vigilants également. Petit message d'alerte. Ils annoncent de très violents orages sur toute la côte ouest de la France. Tout le massif central. Donc moi, je vais être en plein dedans également. Donc soyez vigilant, d'accord, hein, parce que je pense qu'avec les chaleurs qu'on s'est tapées, effectivement les orages vont être violents, donc soyez prudents si vous êtes amené à sortir dans l'après-midi, ce soir, dans la nuit et demain, hein, parce que voilà, l'alerte, elle est là, et donc soyez prudents les amis, ok? Allez, prenez bien soin de vous, et nous on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos.